Salut, je suis Freeman et aujourd'hui je serai votre professeur pour parler de l'arbre de talent de l'Atlas. Et oui, la nouvelle ligue commence demain et avec elle la nouvelle extension. Et donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, GGG a complètement changé le headgame comme ils le font chaque année avec l'extension. Et donc on dit au revoir aux régions de l'Atlas et on dit bonjour à un nouveau Big Atlas. Et donc ce que ça sous-entend, c'est que les petits arbres passifs qu'on avait l'habitude sur chaque région de débloquer avec Meven, eh bien n'existent plus. Et donc pour compenser, ils ont introduit quelque chose qu'ils adorent, hein, c'est l'arbre de talent, c'est vraiment ce qui est charismatique sur les personnages de PoE. Et donc ils ont fait exactement la même chose pour l'Atlas. C'est absolument génial, ça résout plein de problèmes qu'il y avait avant avec l'Atlas par région. C'est pas le but de cette vidéo, on va pas en parler, mais voilà, ça règle plein de problèmes et ça nous donne plein d'opportunités. Par contre, ça veut aussi dire un nouveau système à apprendre. Et comme à chaque fois avec GGG, ils font pas les choses à moitié, ils ont mis plus de 600 points de talent dans cet arbre, et du coup ça peut être intimidant. Donc le but de cette vidéo, eh bien, c'est de découvrir un petit peu cet arbre, et aussi de vous expliquer comment faire votre premier arbre de talent, et je dis bien premier parce que c'est un arbre qu'il va falloir respecter suivant ce que vous voulez faire, et surtout suivant où vous en êtes. Clairement, pour n'importe qui, il y aura l'arbre du talent de Starter League. Quand vous commencez et que vous avez fait encore 0 map et que vous voulez juste mapper pour arriver au endgame. Et clairement, il y aura après l'arbre de talent que vous voudrez jouer pour votre endgame. Et c'est là où vous aurez plusieurs choix. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer 3 arbres de talent. Celle pour leveler, entre guillemets, donc je parle bien de leveler votre Atlas, pas de leveler votre personnage. Et après, 2 choix suivants, qu'est-ce qui vous intéresse dans cet arbre. Donc on y va, vous arrivez dans le jeu, du coup vous avez fini le leveling, donc l'histoire, et vous arrivez devant les maps et bam, on vous donne cet arbre de talent. Qu'est-ce que vous en faites? Comment on gère ça? Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est parti. Déjà on peut voir qu'on commence ici tout en bas. Donc déjà nos options sont tout de suite assez limitées, on peut partir que vers 4 endroits. On regarde un petit peu les points notables. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les points notables, c'est les points un petit peu plus importants. C'est pas les tout petits points ici pour voyager. C'est vraiment les points ici que vous voyez qui sont un peu mis en avant, qui donnent vraiment des grosses récompenses. Donc on regarde vite fait ceux qui sont autour de nous, juste pour comprendre où est-ce qu'on met les pieds. Donc ici, on voit qu'on parle de Einhard. Donc Einhard qui est un des masters du jeu. Donc on voit que ça parle d'une mécanique d'un grand master. De l'autre côté, June, pareil, grand master. Aussi une mécanique de Grand Master. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a ici au-dessus? Ah, pas du tout pareil. Des Strongbox, qui est une mécanique de ligue assez faible. Hein, juste on clique sur le coffre, ça l'ouvre, etc. Et Essence. Ah, Essence, très bien. Mais pareil, mécanique dans la map, qui augmente votre map. Ok, donc déjà, on voit qu'on a ici 2 grands choix différents. On a 2 choix de partir vers du Master ou du choix de partir vers améliorer votre map en elle-même. Ok. Continuons un petit peu, regardons un peu les maps. Donc ici dans la recherche en bas à gauche je tape Maps avec un S et ça va en gros mettre en surbrillance tous les nœuds qui parlent de map. Et oui, parce que là je vous rappelle, on est au tout début, on vient de finir le leveling du perso, on commence la découverte de l'Atlas, donc notre priorité c'est les maps. C'est toujours ce qu'il y a de plus chiant au début, c'est de dropper les maps et surtout d'améliorer le niveau de vos maps pour passer le tiers blanc, le tiers jaune, puis le tiers rouge. Donc la priorité, ça va être clairement ça au début. Augmenter votre map et le contenu de vos maps pour pouvoir dévoiler tout votre atlas et faire tout votre atlas. C'est absolument la priorité. Donc voilà, là en tapant map, déjà je vois tout de suite autour, j'ai 2 nœuds qui parlent de map. Donc ici on voit que ok, les boss de map ont une chance de donner un random craft sur le map device, c'est toujours sympa, hein, ça permet de roller quelque chose à votre prochaine map, très bien. Ah, par contre, deuxième ligne très intéressant, on voit les maps qui drop dans cette zone. Donc quand on dit la zone, on parle bien de toutes vos maps hein, maintenant, parce qu'il n'y a plus qu'une seule zone d'Atlas. Hein. Donc ça veut dire que tout ce que les maps que vous droppez ont 15% de chance d'être un tiers supérieur. Ah, extrêmement important. C'est vraiment ça qu'on va vouloir cibler au début, parce que je vous rappelle, le but, ça va être d'augmenter le niveau de vos maps, tiers 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Ok, de l'autre côté, Bah de l'autre côté, un peu la même idée. Ok, donc très bien. Donc ces deux nœuds-là, clairement, c'est quelque chose qu'on va vouloir aller chercher très très vite. Après, ici, pareil, je vois un gros cluster en surlignance. Donc pareil, hop, des chances d'avoir des tiers supérieurs qui drop, très bien. Et puis ici, on a une augmentation des quantités si on utilise Fortune Favors The Brave. Ok, très bien. Et surtout, ce fameux 15% de chance d'avoir un tiers au-dessus. Et là, exactement pareil. Ok, de ce côté-là, c'est des maps de Kirak, donc on s'en fiche un petit peu. Ok, là-bas, c'est un peu loin. On va pas trop regarder. Puis voilà, ça parle de Blighted Map, pas de map classique. Très bien. Par ici, qu'est-ce qu'on a? Le Voltaxis, donc ça, c'est pour faire du Delve. Ça m'intéresse pas forcément spécialement. Qu'est-ce qu'on a par ici? Des maps synthesis, ça, c'est du très endgame. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici? Du Conqueror, pareil, c'est du endgame, ça ne m'intéresse pas forcément trop. Ok, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que au sujet du map, bien en fait, les nœuds sont ici très proches, et donc ce qui est très très bien, parce que ça veut dire que vous allez y avoir accès très rapidement. Ok, donc ce que je vais faire, c'est pour l'instant, je vais faire quelque chose de très basique, c'est ça qui m'intéresse, aller chercher les maps. Et donc aussi, deuxième point à savoir, les points de voyage, donc les travel nodes qui sont ici, les petits points, vous voyez que tous augmentent vos chances de drop des maps sur les boss. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que vos points de voyage que vous faites ici vont améliorer vos chances de drop les maps. Donc c'est très 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 important. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose pour l'instant de très simple. Je vais aller chercher ici les deux nœuds des maps. Très bien. Ok, après, qu'est-ce que je veux? Je vais aller chercher le cluster là-haut. Bon, bah clairement, le plus court pour aller chercher le cluster là-haut, c'est de passer au milieu. Donc ici, on voit ça augmente la qualité des maps que Kirak va nous donner. Très bien, avec une chance de donner des scouting reports qui sont Blight, Delirius, ok, bon, très très bien. Et de l'autre côté, ça donne des chances d'avoir des missions de Kirak. Ah, ça beaucoup mieux, parce que pareil, si vous n'avez pas suivi, Kirak c'est le nouveau Zana, il remplace Zana, et donc il va vous donner des missions, et donc il va vous donner des maps. Donc avoir des chances d'avoir du Kirak, c'est bien. Ok, donc déjà je sais qu'ici, il vaut mieux passer, en tout cas au début, hein, quand vous voulez focus les maps, il vaut mieux passer ici à gauche plutôt qu'à droite. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit point qui dit qu'on a une mission en plus de Kirak tous les jours. Ok, bah écoutez, pour un petit point et 3% de chance d'avoir une mission. Et bah écoutez, je suis à côté, pour un petit point, hop, je le prends. Et donc après, on arrive aux fameux nœuds, et ce qui nous intéresse ici, c'est les fameux 15% de chance d'avoir un tiers supérieur et 15% de chance d'avoir un tiers supérieur. Et bah c'est parti, écoutez, on prend tout. Voilà, donc là déjà, vous avez fait, on va dire, vos premières maps, parce que je vous rappelle, hein, vous gagnez un point de passif de l'Atlas par bonus de map complétée. Donc ça veut dire, ici, il faut déjà quand même compléter pas mal de maps pour y arriver. Mais du coup, une fois que vous allez faire ça, clairement, là, vous avez un peu fini votre tiers blanc, et donc je suppose que quand vous en êtes là, les bonus ici de 15%, 15%, 15% et 15% vont faire que vous allez passer au tiers jaune. Donc très 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 bien. Maintenant, l'idée c'est, ok, maintenant qu'on a pris ce core truc, qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour améliorer ce drop des maps? Parce que là, mon focus, c'est vraiment, j'ai besoin de maps, je suis au tout début, il me faut absolument des maps pour aller plus vite et compléter mon atlas. Ok, bah on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour des points où on est passé. On va évidemment pas aller regarder les points par ici qui sont très loin. On est déjà passé par ici, regardons un petit peu qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Donc ici, je vois que j'ai un nœud essence. Ah, bon, pas trop mal. Les essences, ça vous donne des rares en plus dans la map, donc des chances de dropper des maps en plus. Et puis en plus, les essences, au tout début, c'est toujours sympa. Vous les utilisez, hein, les premières essences que vous trouvez, clairement, ça ne va pas se vendre. Donc utilisez-les sur vos items. Des fois, vous trouvez des très très bons objets comme ça, enfin des très bons. Pour un Starter League, hein, des bons objets pour commencer votre jour 1, votre jour 2. Ok. Bon, bah dans ces cas-là, hop, on prend, ça remplit un peu la map. Là, maintenant qu'on a fini de dropper, on va dire, d'augmenter toutes les chances de dropper les maps, ce qui va nous intéresser, c'est augmenter la quantité des mobs dans les maps pour qu'il y ait le plus de maps qui drop possible. Donc, ajouter de l'essence, très très bien. De l'autre côté, on a quoi? On a une Strongbox. Bon, une Strongbox, c'est pas non plus foufou. Mais c'est que 3 points, et je vous rappelle que quand vous ouvrez une strongbox, ça vous fait pop un pack de mobs, et donc des chances de dropper une map en plus. Donc bah écoutez, pour 3 points, pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est les petits nœuds? Les petits nœuds, ça dit 15% de chance d'être gardé par un pack en plus. Ah bah très bien. Ok, donc ça veut dire peut-être je vais prendre aussi ces deux points-là, parce que ça rajoute 30% de chance d'avoir un pack en plus. Je vous rappelle que notre objectif, c'est de remplir la map au maximum. Donc pour 2 points, ok, bah écoutez, je prends tout. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a les boss des maps uniques ont une chance de dropper un additionnel unique item. On s'en fout, clairement. Ici, les mobs rares ont une chance de dropper des currency, très très bien, et des jewels, moins intéressant. Ça peut toujours servir si vous faites, vous savez, la petite recette pour choper 2 KO en vendant un set complet. Ça peut toujours être sympa, mais ne serait-ce que le 1% de chance de basic currency en plus, très très bien. Les autres, ça dit quoi? Ça dit un mob rare et dupliqué. Ok, donc ça veut dire ici, on a 3 mobs rares dupliqués. Ok, c'est des chances en plus de dropper des maps. On prend. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des smuggler cash. Bon, smuggler cash, si je me souviens bien, c'est pour aller farmer des... je me souviens même plus, pardon, le nom de la mécanique, mais bref, ça ne nous intéresse pas ici. C'est pas ce qu'on cherche. Ici, c'est quoi? Les shrines. La zone contient une shrine supplémentaire. Ah bah très bien. Shrine, même principe que la box. Elles sont forcément... avec des mobs. Donc ça veut dire rajouter une shrine, c'est rajouter un pack de mobs. Très bien. Et ici, on a quoi? On a augmente la durée. Ok, des shrines. Bon, bah écoutez, j'ai pas besoin forcément d'avoir une durée de shrine, donc on va limiter le nombre de points. Donc je passe par ici juste pour prendre, pour ne pas prendre ce petit point-là. Ok, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ce qu'on peut faire, c'est là le jeu vous le permet. Vous pouvez cliquer en fait sur un type, je vais dézoomer un petit peu, sur un type de nœud. Donc là, on est sur un nœud essence. Et si je clique dessus, hop, vous voyez, ça met en évidence tous les autres nœuds. Ok, bah, je vois qu'il y a un nœud essence pas très loin à gauche et pas très loin en haut. Bah, clairement, maintenant que j'ai commencé à investir dans de l'essence, peut-être que pour mes premières maps, en attendant vraiment de pouvoir affronter des mécaniques plus fortes, je vais vouloir faire de l'essence. Je vous ramène vers ma vidéo de la ligue précédente où j'ai fait un de mes projets, c'était de farmer les essences. C'est extrêmement rentable, extrêmement rentable. Donc clairement, pour commencer une ligue, c'est une mécanique qui est très simple, qui apparemment est disponible très rapidement, hein, parce que vous voyez, il suffit que de quelques complétions de maps pour les avoir, et ça va vous rapporter des sous très vite. Ok, bah dans ces cas-là, moi j'hésite même pas. Hop, on va chercher le nœud. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? 5% de chance d'avoir une additionnelle essence. Hop, on prend. Il était où l'autre nœud? Il est là-haut. Très bien. On va aller le chercher. Hop. Et pareil ici, chance d'avoir une additionnelle essence. Et bah très bien, je prends toute la roue. Hop, merci, au revoir. Et après, je vois ici, ah, c'est un petit peu plus haut. Ça nous demande d'aller chercher un petit peu plus de trucs. On va attendre, on va certainement aller la chercher, mais pour l'instant, attendons de voir si on n'a pas d'autres mécaniques peut-être qui sont disponibles. Ici, Rare Monster, il n'y a rien. Ici, Shrine. Ah, je vois qu'il y en a un là-haut. Intéressant. On garde ça en tête. Strongbox, pareil. Ah, il y en a un ici, juste au-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça change le type de Strongbox. Bon, au début, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de rajouter de la quantité de mobs. C'est pas d'altérer les mécaniques. Ceci dit, ici, je vois que les strongbox sont corrompues et qu'elles sont au moins rares. Alors, pourquoi pas, si jamais on va devoir passer par en haut, pourquoi pas prendre ces deux petits points-là, peut-être pour nous garantir que les strongbox sont rares. C'est pas incroyablement fort, mais si vraiment on passe à côté, pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi aux alentours? On a du Harbinger. Ah, très bien, donc Harbinger, vous savez, c'est ces mobs un peu translucides que vous ne pouvez pas tuer au démarrage et qui invoquent plein d'autres créatures. Et au fur et à mesure que vous tuez les vagues de créatures qui les amènent, eh bien, ils meurent et à la fin, ils vous dropent des parties de currency. Pas des currency directement, mais des parties de currency. Bah, ça, très bien. Ça vous donne plein de créatures en plus. Et ça vous donne des currencies que vous avez besoin au début pour commencer votre personnage. Ok, bah très bien. Est-ce qu'il y a d'autres nœuds Harbinger à dispo? Ah oui, c'est pas trop loin. Donc, et encore une fois, on se retrouve avec ces roues ici où on avait vu qu'il y avait pas mal de trucs intéressants. Ok, bah on va aller voir qu'est-ce que c'est l'autre nœud de Harbinger. Alors, ça dit que ils invoquent plus de créatures. Ah bah voilà, intéressant encore une fois. C'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on a envie d'avoir, plus de créatures. Et ça dit qu'il y a une chance qu'au lieu de dropper des parties de currency, ça drop directement la currency. Eh bah parfait, très bien, c'est aussi ce qu'on a envie. Eh bah écoutez, dans ces cas-là, directement... je vais prendre tout le nœud. Hop, et voilà. Là, on voit qu'il ne nous reste plus que 57 points. Donc là, on est déjà un peu avancé. Je pense qu'on est à la fin des maps jaunes, peut-être des maps rouges. Ça commence à être très intéressant. Et nos maps commencent à être très, très denses. Ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que comme il y a beaucoup de choses par ici, bah on va aller chercher, on va dire, ce qui nous intéressait par ici. Et du coup, comme on avait dit, bah écoutez, on va y aller, on va passer par ici. Pour aller chercher du coup l'essence. Voilà. Du coup l'essence qui permet d'avoir un tiers d'essence de supérieur. Vraiment très bien. Et comme on avait dit, on passe juste à côté. Donc prenons le petit point qui transforme la Stormbox, vu que de toute façon, vous allez en avoir au moins une par map. Voilà, ces deux points. Pas forcément nécessaires, à vous de voir. Si vous n'en avez pas envie, les prenez pas. Mais comme on passe à côté, pourquoi pas. Donc on disait, hop, il y a un autre nœud Harbinger ici. Qu'est-ce qu'il dit? Les Harbinger ont 25% de chance d'être remplacés par un boss. Ah, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse? Au début, affronter des boss, c'est pas vraiment la meilleure solution, sauf si vous avez un build qui est très très fort contre les boss et qui est fait pour le bossing, allez-y. Si c'est pas le cas, je vous le conseille pas. Je vous rappelle, au début, on est là pour farmer, pour clear les maps le plus vite possible et passer à la map d'après. Affronter des gros boss, c'est pas forcément la meilleure des stratégies. Donc pour l'instant, celui-là, je vais le laisser. Encore une fois, si votre personnage vous permet de le faire, eh bien, n'hésitez pas, à le faire. Et donc voilà, bah écoutez, là, on se retrouve dans un état plutôt pas mal. Et je pense que c'est très, très, très solide, cet arbre-là, pour faire du coup tout votre mapping avec votre premier personnage et donc commencer à compléter l'Atlas. Ça vous laisse 47 points pour prendre un petit peu ce que vous voulez. Donc regardez qu'est-ce que vous avez autour, est-ce qu'il y a des mécaniques qui vous intéressent? Là je vois par exemple ici il y a du Nico, si vous avez envie de, préparer un petit peu de Delve pour après votre mapping, vous pouvez prendre ça. On a vu ici au début qu'il y avait quelques mécaniques de Grandmaster, de Master, comme Einhard et June, vous pouvez prendre ça. Bon bref, regardez s'il y a des choses autour qui vous intéressent, et puis faites un focus dessus, mais je pense que ça, cet arbre-là, est vraiment une excellente base pour commencer à mapper. J'attire l'attention sur un autre petit point très intéressant qui est dans cette loupe ici, qui est ce nœud-là, qui donne 8% de chance d'avoir 20 additionnels Rogue Exile. C'est très bien, ça rajoute énormément. Donc les Rogue Exile sont des mobs rares, qui ont des chances de drop de l'item rare et des maps. Donc très intéressant. Encore une fois, c'est juste si votre build n'est pas forcément opti. Il y a certains Rogue Exile qui peuvent vous poser problème. Dans l'ensemble, les Rogue Exile, c'est une blague. Vous roulez dessus les yeux fermés. Mais parfois, ils peuvent être assez balèzes. Donc à vous de voir. Encore une fois, vous avez 47 points pour faire ce que vous voulez. Donc allez-y. N'hésitez pas, si vous pensez qu'il n'y a pas de souci, prenez-le. Donc voilà, donc on en a fini pour la partie leveling de l'Atlas et on va dire première semaine de la ligue pour finir votre Atlas. Maintenant, je vais vous montrer deux arbres de talent, vraiment pour du endgame, une fois que vous avez tout complété, que vous avez toutes vos maps tier 16, comment on fait un peu pour farmer des currencies. Ok, regardons ça. Donc ça, hop, premier arbre de talent que j'ai fait pour moi. Encore une fois, il n'y a pas d'arbre opti. Il y a un arbre opti pour ce que vous aimez faire et ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, c'est très, 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 très important à comprendre. Et c'est le but d'avoir un arbre de talent, c'est que c'est vraiment très personnalisable. C'est pas du tout comme l'arbre de talent d'un perso, où si vous prenez un mauvais cluster, vous pouvez vraiment avoir un manque de dégâts, un manque de défense, etc. Dans l'arbre de l'Atlas, il n'y a que du bonus. Ça ne va jamais vous empêcher d'avancer. Et donc, malgré tout ce que les créateurs de contenu vous disent, Le but, c'est de créer l'arbre avec les mécaniques qui vous intéressent. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, par exemple, s'il y a vraiment une mécanique qui vous tient énormément à cœur, cherchez ici, par exemple, Légion. Hop, voilà, on va voir que Légion, c'est plutôt sur la droite. Moi, j'adore Delirium. Hop, on voit que Delirium est plutôt sur la gauche. Ok, donc moi, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait un arbre de talent sur la gauche et un arbre de talent sur la droite. Ça exclut du coup certaines mécaniques, ça veut dire que vous ne pouvez pas, par exemple, avec cet arbre de talent, mélanger justement du Delirium avec du Légion. Encore une fois, si c'est ça que vous voulez faire, vous pouvez. Vous prenez juste des points de travel pour aller chercher le Delirium, vous prenez des points de travel pour aller chercher le Légion, et c'est réglé. Là, moi, j'ai essayé vraiment de faire un arbre de talent efficient en termes de points, et avec les mécaniques qui m'intéressent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé l'Atlas en deux. Et donc là, je vous présente l'arbre de talent, on va dire, que j'ai construit sur la gauche. Et après, je vous présenterai l'arbre de talent que j'ai construit sur la droite. Sachant que, encore une fois, point de vue complètement personnel, moi, c'est cet arbre de talent-là qui m'intéresse parce que je trouve que les mécaniques qui sont à gauche me parlent beaucoup plus que les mécaniques qui sont à droite. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est plus fort ou moins fort, ça veut juste dire que c'est ce que je préfère. Donc, pourquoi partir à gauche? Bah, tout simplement parce que j'ai fait exactement ce que je vous ai dit. Moi, c'est quoi la mécanique qui m'intéresse le plus dans le jeu? Ça veut dire de toutes les mécaniques. Eh bien, c'est Delirium. Vraiment, c'est celle que je préfère par-dessus tout. Et donc, c'est celle que je veux booster. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, exactement le même principe qu'avec l'autre arbre de talent. Hop, je suis allé chercher tous les nœuds. Donc, je suis passé ici. Hop, j'ai pris le nœud. Je suis passé ici, j'ai pris le nœud, hop, je suis allé là-haut, j'ai pris le nœud, je suis allé ici, j'ai pris le nœud. Voilà, une fois que ça s'était fait, j'ai dit, ok, qu'est-ce qu'il y a un peu autour de moi qui m'intéresse? Donc on retourne à la base. Ici, j'ai dû passer, on voit Einhard, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ici, on a quoi? On a les Rogue Exile, pareil, ça ne m'intéresse pas spécialement. Qu'est-ce qu'on a par ici? Blight. Ah, bah voilà, Blight, autre mécanique que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est la deuxième mécanique pour moi, derrière Delirium, que j'aime. Donc clairement, allez de ce côté-là, vous voyez pourquoi ça m'intéresse. Il y a pour moi les deux mécaniques préférées qui sont Delirium et Blight. Ok, donc bah, j'ai pris les points de Blight. Je clique sur Blight. Ok, je vois qu'il y a un nœud ici à gauche et deux en haut. Très bien, bah écoutez, maintenant que j'étais passé par ici, hop, j'ai pris tout le nœud pour Blight. Le nœud pour Blight et le nœud pour Blight. Qu'est-ce que ça me donne un petit peu? On regarde vite fait. Ça fait que les items ont une chance de dropper avec déjà un enchantement et d'avoir un oil extractor. Et donc, alors ça, c'est un truc jamais vu, mais ça veut dire que vous avez une chance de rencontrer un petit objet où quand vous mettez un item qui est enchanté dedans, eh bien, ça va vous donner une des huiles qui a été utilisé pour faire ce truc-là. Je ne sais pas du tout si c'est fort, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. J'ai pris. Ici, on a quoi? On a plus de mobs et ça spawn plus vite. Ok, très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 20% de chance d'avoir une Blight en compteur en plus. Ok, très bien. Et ici, les récompenses ont 80% more chance de contenir des Blighted Maps. Et encore une fois, les Blighted Maps, moi, c'est quelque chose que j'adore et qui rapporte énormément. Encore une fois, vous pouvez aller voir un de mes anciens projets, de mes anciennes ligues, où j'ai fait toute une série de T14, T15, T16 Blighted Maps. Et encore une fois, ça rapporte énormément. Là-haut, on a quoi? On a des chances d'avoir des maps qui drop directement avec une garantie de Blight on Counter. Très bien. Et ici, les huiles ont 25% de chance d'être un tiers supérieur. Et bah écoutez, et les zones contiennent un boss de plus. Ok, bah écoutez, très satisfaisant. Du coup, j'ai tout pris sans hésitation. Voilà, il me reste encore des points. Ok, à côté de quoi je passe? Ici, on a Einhard. Ah, ok, alors Einhard, c'est un des masters que j'aime bien. Tout simplement parce qu'il n'est pas intrusif, ça veut dire Alva, il faut que vous fassiez le temple après. Nico, il faut faire du Delve après. June, il faut faire les excursions après. Einhard, c'est tranquille. Juste, ça rajoute des créatures sur la map. J'adore, très très bien. Je passais par ici pour aller là-haut. Ça me rajoute juste 4 points. Bah écoutez, je les ai pris. Par contre, je ne cherche pas à en avoir forcément plus que ça. Ici, on voit quoi? Beyond. Ah, Beyond. Beyond en endgame. Incroyable pour rajouter de la densité de créatures et pour ajouter de l'accuracy. Ok, et donc là, on voit que les mobs de Beyond ont 25% de chance de drop de l'accuracy en plus. Très bien. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je clique pour regarder. Ah, et ben je vois que tous les nœuds Beyond sont de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai pris tous les nœuds qui sont ici. Beyond vraiment très 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 fort en endgame. Et là, en plus, on parle de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points uniquement pour activer tous les nœuds de Beyond sur toutes vos maps. Incroyable. Parce que du coup, ça veut dire que maintenant, c'est ce nœud-là, je crois, voilà, ça dit que toutes vos maps, entre autres, ont Beyond maintenant. C'est extrêmement, extrêmement fort. Vous imaginez toutes les maps que vous allez faire ont ce mode-là, qui est un mode qui avant était très, très, très recherché. Absolument trop bien. J'ai pas pris ces deux points-là parce que ça rajoute, on va dire, 10% de chance pour merger, pour invoquer les mobs. Je trouve pas ça si fort que ça pour 2 points. Du coup, j'ai préféré garder les 2 points et je suis passé par en haut. Ok. Il nous reste quelques petits points, encore plus beaucoup, mais encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre aux alentours? Donc bah, ici, je passais par ici et je passais par là. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Métamorphe. Ah, très bien. Alors, métamorphe, pas du tout ma mécanique préférée. Mais par contre, je sais qu'elle est très rentable. Encore une fois, je vous ramène à un de mes anciens projets. Vous pouvez trouver la vidéo où je fais du farming de map avec du scarab de métamorphe pour voir qu'est-ce que explicitement métamorphe rapporte. Et métamorphe, ça rapporte énormément, énormément de sous. Seul désavantage, il faut avoir un perso qui est très fort en bossing. Si votre perso est juste fort en clear de map et pêche un petit peu en bossing, dans ces cas-là, je vous encourage à ne pas prendre métamorphe et à prendre plutôt d'autres mécaniques qui seraient plus adaptées à votre perso. Moi, j'essaye toujours d'avoir un perso qui peut clear les boss à peu près correctement. Donc du coup, bah, ce que je fais, c'est ici, je prends le point de métamorphe et encore la même chose que les autres fois. Je clique sur métamorphe. Ok, je vois qu'il y a des nœuds ici, ici, ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les nœuds. On regarde vite fait les nœuds très rapidement. Hein, on ne va pas s'attarder. Donc ça, c'est des chances d'avoir métamorphe dans la map. Ok, très bien. Ici, on peut assembler un deuxième métamorphe une fois qu'on a tué le premier. Ça, c'est un point qui était très, très fort. Dans la vidéo du projet, on a pu voir ce que ça rapportait. C'est vraiment, vraiment énorme. Évidemment, ça veut dire qu'il faut que vous ayez assez de trucs pour pouvoir invoquer 2 fois le métamorphe. Mais c'est vraiment, vraiment très fort. Ce point-là, ça vous rajoute les drops de parties de métamorphe. Parce que vous savez, une fois que vous avez tué le métamorphe dans la map, il vous drop une partie. Et quand vous en assemblez 4 ou 5, je ne sais plus, vous pouvez aller refaire un autre métamorphe, et bien ça fait que les parties vertes qui sont droppées drop en double. Ça double littéralement votre gain après. C'est vraiment, vraiment super, super fort. Ici, une chance d'avoir un rogue métamorphe. Ça, dans la vidéo que j'avais fait sur le projet métamorphe, j'avais vu que c'était pas si rentable que ça. Là, je l'ai pris uniquement parce que vous voyez, et je passe déjà ici pour Delirium, c'est juste 3 points. J'ai pas pris les 2 points ici en haut. Voilà, du coup, en tout, on est à 28% de chance d'avoir un rogue métamorphe pour 3 points. J'ai dit, allez, pourquoi pas? Encore une fois, le rogue métamorphe, c'est pas extrêmement, extrêmement rentable. Dernier point ici, le plus balèze, vraiment à prendre en endgame, c'est pour ça qu'il est en haut. Les métamorphes font 15% more damage, 150% more life, c'est énorme, hein, 150% more life, c'est vraiment énorme. Là, il faut vraiment avoir du très 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 bon bosseur, ça veut dire un perso qui est capable d'affronter des boss très 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 rapidement. Et par contre, ça donne 30% de chance de doubler vos récompenses du métamorphe. Ce point a l'air incroyable, il n'y était pas avant, il a l'air vraiment incroyable, c'est du très 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 endgame. Et donc voilà, et donc avec tout ça, il ne reste plus que 12 points, sachant que vous savez que si vous complétez tout votre atlas, il vous manquera 15 points, les 15 points étant faire les Meven, le Shaper, l'Elder, etc. Donc pour l'instant, j'essaye de rester aux alentours des 15 points restants, mais voilà, ça, ce sera clairement ce vers quoi je vais me diriger pour mon arbre endgame, et c'est tout ce que j'aime dans le jeu. le Beyond, le Delirium, le Blight et un petit splash de Metamorph à la fin qui peut être très sympa. Vraiment, vraiment, j'adore. Je vous mettrai évidemment le lien de ces builds-là dans la description de la vidéo. Le dernier, on va passer un peu plus vite, là, parce que j'ai pris mon temps juste pour vous montrer le principe, encore une fois, qu'on applique, comme pour le premier, de comment rechercher vos points, comment choisir vos points. Pour le deuxième, c'est exactement le même principe. On ne va pas tout refaire. Vous cherchez ce qui vous intéresse, vous regardez ce qu'il y a autour, vous cliquez pour voir où sont à peu près les nœuds et vous allez les prendre. Le principe est exactement le même. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est juste regarder qu'est-ce qu'on a dans cette région-là. Donc, moi, dans cette région-là, mon premier focus, c'était Légion, parce que c'est vraiment la mécanique que j'aime le plus dans la partie droite de l'arbre, c'est Légion. Donc, je suis allé chercher tous les points de Légion, qui sont exactement les mêmes points que ce qu'on avait, en fait, avant, que ce qu'on avait dans l'ancien. Des points très très forts, hein, ça se farme très très bien, donc si vous avez un perso adapté à farmer Légion, faut pas hésiter, c'est du tout bénef. Comme on passait à côté, qu'est-ce qu'on avait? On avait du Breach. Breach, c'est pas un contenu incroyable de base, vraiment, je dirais même que c'est un contenu intéressant parce que ça rajoute de la densité de mobs, mais en termes de récompense, c'est vraiment vraiment nul. Ça rapporte vraiment pas beaucoup de currency. Donc pourquoi mettre autant de points? Eh bien tout simplement parce que là, ils les ont vraiment, vraiment boostés et il y a moyen de faire vraiment quelque chose d'intéressant une fois que vous avez pris tous les points. Donc c'est pour ça aussi que je vous encourage pas au tout début à passer par ces endroits-là, mais vraiment à vous en tenir au mapping au tout début et à ne switcher sur un arbre comme ça que en endgame, quand votre personnage est vraiment complet, que votre atlas est complet, etc. Parce que par exemple, mettre ces points-là de breach au début de votre leveling de l'atlas, ça ne sert strictement à rien, à rien, à rien. Donc qu'est-ce qu'on a ici dans du breach? On a donc de l'augmentation de breach. On a un nouveau type contient Xeshla. On ne sait pas ce que c'est, mais très très bien. Donc, c'est marqué en dessous, Xeshula, ça peut drop n'importe quel type de breach. Ok, bah très très bien. Et pareil pour les splinters, ça peut dropper n'importe quel type de breach. Ok, intéressant. Je vous rappelle que quand vous faites du breach, ce qui vous intéresse, hein, c'est du Chayula. C'est vraiment celle qui rapporte le plus. En parlant de ça, on va aller sur ce point-là. Qu'est-ce qui nous donne ce point-là? On a 70% de chance d'avoir un boss. Très très bien. Et les boss ont des drops de splinter doublés. Ok, bah très très bien. Et après, pourquoi prendre que 1 point? Parce qu'en fait, ici, vous voyez, c'est une augmentation, donc 100% de chance d'avoir un type de breach particulier. Donc on a Ulnethol, Esh, Xof et Tulle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Chayula. Il n'y a que Chayula qui est intéressant. Donc bah, on a pris le point de Chayula et on est allé chercher l'autre. Vous notez qu'ils ont bien fait attention. Tous ici, c'est du increase 100%. On a du increase 60 pour Ulnethol qui est l'avant-dernier niveau. Par contre, Chayula est qu'à 30% parce que voilà, ils savent très bien que s'ils avaient mis 100%, ça aurait aucun sens. Personne n'aurait pris ces points-là. Là, le fait de le mettre à 30%, peut-être qu'il y a des gens qui vont prendre d'autres points, mais je suis même pas sûr. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour Breach? On a des points ici. Donc ça c'est pareil, c'est un point qu'on avait déjà, c'est les chances pour les Bridgestone de dropper chargé, enrichi ou pur. Ok, et ici 30% d'augmentation de la densité dans les bridges. Donc voilà, très intéressant une fois que vous avez tous les points. Et une fois que vous avez tous les points, les bridges vont pouvoir être vraiment denses, pardon, avec des boss et tout, donc vraiment vraiment très intéressant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à côté? On avait Expédition. Expédition, mécanique récente, mais qui rapporte vraiment beaucoup. Si vous n'aimez pas, évidemment, prenez autre chose. Moi, j'aime bien Expédition. Un petit peu lent, je trouve, comme event, mais très intéressant et surtout peut rapporter vraiment beaucoup. Donc, j'ai pris tous les points d'Expédition. Ils sont pas spécialement incroyables. Après, peut-être parce que je suis pas assez familier. La seule chose qui est intéressante, c'est ce point-là ici qui fait que 50% d'augmentation des drops de logbook. Et vous savez que les logbooks, c'est ça qui rapporte le plus, hein, c'est ça qui coûte des sous. Donc clairement, ce point-là, très 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 intéressant. Et en dernier, on a notre petit Harvest. Harvest qui est vraiment une mécanique incroyable, Alors, je vous l'accorde, il faut savoir l'utiliser. Et il faut savoir vendre ses harvests directement, ou alors savoir utiliser son harvest et vendre les fruits de son harvest. Pareil, si vous ne maîtrisez pas harvest, ne vous impliquez pas avec des points dans harvest parce que vous n'allez pas en profiter pleinement et ce sera des points perdus. Par contre, si vous savez utiliser harvest, c'est une ressource incroyable. On l'a vu encore dans mon dernier projet que j'ai fait qui incluait du harvest. Harvest représente un gain énorme, énorme, énorme quand vous savez l'utiliser. Donc j'ai pris tous les points. Les points sont les mêmes que ce qu'il y avait avant. Voilà, ça rajoute des chances de pas utiliser l'autre culture ou alors d'avoir plus de bonnes cultures, etc. Bon, bref, c'est du classique. Et moi, en tout cas, c'est la mécanique qui m'intéressait le plus de ce côté-là. Si jamais il y a des mécaniques qui ne vous intéressent pas, comme par exemple Expedition ou Harvest, ou même si Légion ne vous intéresse pas, parce que vous n'avez pas le bon build, Légion, c'est la meilleure en termes de récompense de tout ce qu'il y a ici. Mais il faut avoir le build pour le faire. Si vous n'avez pas un build pour le faire, ne prenez pas Légion, prenez autre chose. De ce côté-là, on a de l'Abyss, pas mal d'Abyss. Moi, je n'ai jamais aimé Abyss, mais c'est vrai que cette ligue-là, ils nous ont rajouté voilà, ce point-là qui, pour moi, change tout. Ça veut dire tous les points Abyss ici sont nuls. Vraiment, enfin, déjà, moi, j'aime pas la mécanique. Et pour moi, les points ne changent rien. Sauf ce point-là qui fait que les Jewels ont 20% de chance de dropper corrompu avec 5 ou 6 modifiers. C'est énorme. Tout le endgame des persos vont être focus là-dessus maintenant. Donc ça, si vous voulez faire des sous, clairement, faites-le parce que ça va se vendre vraiment, vraiment, vraiment super bien. Si vous ne prenez pas ce point-là, mettez pas des points dans l'abysse. C'est vraiment pas rentable du tout. Mais ce point-là change la donne complètement, complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté-là? Oui, on a Nico, évidemment, en Grand Master. On a les Harbringers, donc ça, pareil. Hein, si vous voulez pas forcément faire de mécanique compliquée et juste tuer du mob, vous voyez ici, vous avez 3 nœuds Harbringers. Très, très, très sympa. Voilà, et puis je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a ici. Si vraiment, quel que soit le build que vous choisissez, côté gauche ou côté droit, si vous avez des points en restant, il y a des points à noter, c'est ceci. Donc de ce côté-là, surtout, on a les points des sextants, qui fait que les sextants ont une utilisation de plus. C'est extrêmement puissant si vous utilisez les sextants. Si vous n'utilisez pas de sextant, évidemment, vous n'allez pas perdre tous les points ici, les 6 points pour aller le chercher. Par contre, si vous utilisez les sextants, et je vous encourage à le faire en endgame, avoir des sextants, c'est vraiment la quantité en plus dans les maps, des loots en plus, etc. Je vous incite vraiment à utiliser les sextants, surtout qu'ils les ont extrêmement buffés cette ligue-là. Il va y avoir des sextants absolument incroyables. Du coup, la force d'être du côté droit, c'est que vous avez ce petit nœud ici qui améliore les sextants vraiment, vraiment très, très bien. Et là, vous voyez que je l'ai pris et qu'il me reste quand même 20 points. De l'autre côté, malheureusement, le nœud équivalent, entre guillemets, ça veut dire à la même position, n'est pas des sextants, mais c'est des chances de ne pas consommer des scarabs et ici des chances de dropper des scarabs. Clairement, quand vous mappez en endgame, vous utilisez des scarabs. C'est vraiment extrêmement fort. Donc voilà, une des utilisations que je vous conseille pour les 12 points, ce serait d'aller chercher ce petit nœud de scarab. Donc voilà, on a fait un peu le tour pour ce que je voulais vous présenter. L'important, c'est ce premier arbre. C'est vraiment celui que je vous conseille. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de variantes possibles. Je trouve vraiment que c'est le plus optimum pour votre première semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, ça dépend combien de temps vous mettez à compléter votre atlas. Mais ça, c'est vraiment pour moi l'arbre idéal pour compléter son atlas et arriver dans le super endgame. Regardez quand même, il y a encore 47 points, donc vous avez de quoi aller chercher un peu des trucs aux alentours, faites-vous plaisir. Mais clairement, ce corps-là, extrêmement, extrêmement fort. Et donc, une fois que vous avez fini, faites une respec d'un arbre. Les 2 respects que je vous ai proposés là, c'est des respects basés sur du farming de map. Ce n'est pas des spés basés sur du bossing. Il y a dans l'arbre ici des nœuds spéciaux pour le bossing, pour aller chercher le shaper, le Elder, pour aller chercher Maven, pour aller chercher les nouveaux, ici le Eater of World, de l'autre côté, comment il s'appelle, Forbidden Flame. Voilà, donc il y a des nœuds spécifiques pour les boss. Si c'est ce que vous aimez faire, faites-vous, en utilisant les mêmes principes que ce que j'ai fait pour ça, faites-vous un arbre de talent dédié au bossing. Moi, j'ai pas envie de faire un arbre dédié pour ça parce que les bossing, moi, je suis pas en mode farming des boss. Je suis en mode, je l'ai fait une fois pour débloquer l'histoire, débloquer les hauts faits, etc. Et après, je ne cherche pas à les refarmer. Je les refais si, évidemment, je reloute les clés pour y accéder, etc. Je les referai. Mais je suis pas dans une optique, je vais aller farmer le Shaper ou je vais aller farmer l'Elder. Si c'est ça, je vous encourage à prendre les points. Je crois qu'il y a très longtemps, il y a 5 ou 6 ligues, j'avais fait un projet de farm de Elder, Shaper et Uber Elder. C'était vraiment très rentable, mais il faut vraiment un perso dédié. Et c'est, moi, je trouve ça moins intéressant de farmer des boss que de farmer des maps. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez un peu retirer cette peur qu'elle est oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tous ces points dans l'Atlas, et que vous avez compris qu'au final, il est très très simple à manipuler, et je pense qu'on va s'y familiariser très très vite. Voilà, et puis bah, j'espère que votre ligue va bien se passer. Moi, je vous rappelle que je fais juste le tout début de la ligue, donc vendredi, samedi, dimanche, pour voir un peu à quoi ça ressemble, pour préparer mon prochain League Starter de la prochaine ligue, mais je stopperai après parce que je vais focus Lost Ark qui sort mardi prochain. Donc voilà, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!